Marie Saint-Hermel, maintenant une Alsace, elle français, Calvaro, le père, une nouvelle fois représenté, et c'est pas pour rien qu'il est donc le quatrième père, avec l'une de ses filles devant vous, Nathalie Saint-Hermel, la mère étant par pilier du lycée français, née au sein de l'évêché de Saint-Hermel dans l'Orne, comme les deux restes propriétaires, mais toujours donc un choqué, avec déjà un pied. Le deuxième formateur de jeunes chevaux selon le trophée des pros avec vos prestations cette saison, 19 sorties, 13 fois sans faute, 2106 euros de gain. Je crois qu'on a eu le plaisir et cette jument d'ailleurs de voir comme étant la troisième meilleure de sa génération lors du CIR de Compiègne, qu'il fut l'année dernière en son année de 5 ans donc, labellisé très bon finaliste aussi à 4 ans, labellisé même excellent. Un point de bonification, un point de régularité, sans faute lors des épreuves qualificatives, sixième au provisoire avec 0,500. Number 1,349, Avarice Saint-Hermel, Calvaro de Hostano, who is the sire. The fourth most represented sire, 29 offspring in the finals here at Fontainebleau this year. Nathalie de Saint-Hermel, done by Billy Dillis, bred and owned by the L'Elevage de Saint-Hermel, and ridden by Shwaki Rinder, still in second position in the Epreux Trophy for the best trainer of young horses. 19 rounds, 13 clears, 2,106 euros of prize money. Third in Compiègne this year at the Seer, very good last year, and excellent in 2014, 0.5 before this round. Oui, applaudissements bien sûr pour Larisse Saint-Hermel.